Et bonjour tout le monde. Alors, pour aujourd'hui, je vais reprendre le combat que j'ai testé la dernière fois. Je me suis attaqué donc à la station de défense Xénon qui se trouve ici. Il y en avait deux. On va déjà commencer par la première. La dernière fois, j'ai fait un petit test, donc j'avais acheté quand même pas mal de vaisseaux S, pas mal de vaisseaux M. Là, je vois que les IA là, ont mis une fabrique, mais elle va bientôt être détruite, je pense. Bon, la construction, on va voir un peu comment ça se passe. De toute façon, on va aller faire un petit saut par là-bas. Donc, enfin bon, bref, on verra bien. La dernière fois, donc, j'avais acheté quand même quelques vaisseaux L, surtout du E, des S et des M, qui se sont fait péter la gueule, mais alors assez rapidement dans la station. J'avais vu un peu les commentaires, donc en fait, les vaisseaux S, il faudrait les laisser un peu aux alentours. Mais là, je vais tester d'une autre manière encore. J'avais dit justement que j'allais tester qu'avec des vaisseaux L, et c'est à peu près ce que j'ai fait. Là, je me suis acheté 4, 8, 12 behemoths. Les 3 behemoths que j'avais également de la dernière, enfin, de la première attaque que j'avais testée. J'avais toujours mes 3 titans également. Et je me suis acheté des phoenix car j'avais vu également en commentaire qu'ils avaient quand même de bonnes armes justement pour les attaques. On va tester un petit peu ça. Alors évidemment, j'en ai que 3. Ça va pas faire vraiment une grande différence par rapport aux 12 behemoths, enfin je suppose. Les behemoths, je sais pas, j'ai quand même assez confiance. Et surtout que je pense qu'ils sont quand même meilleurs que les Phoenix pour attaquer les vaisseaux S qui risquent de venir un petit peu en contre-attaque. Parce que c'est vrai que les behemoths, enfin les Phoenix, ils ont une défense, mais la défense est moindre En contre les attente vaisseaux S. des ordres. Ils peuvent se défendre quand même correctement, mais s'ils sont nombreux, ils risquent quand même de se faire un peu casser les tourelles, je suppose, hein. D'après ce que j'ai vu un peu dans les attaques, en tout cas moi avec mon vaisseau S, quand je vois des ennemis, les pelles hein, qui possèdent des behemoths, j'ai un petit peu plus de galère à récupérer un behemoth plutôt qu'un phoenix. Les phoenix ils sont un petit peu plus faciles. Ils ont quand même deux grosses tourelles d'ailleurs, qui sont. Non, une grosse je crois. Juste pour voir d'ailleurs. Non, voilà, ils ont bien deux L. Et le reste c'est des M. Tandis que les behemoths par contre, eux. Ah, ils ont aussi deux L par contre. Mais ils ont moins de M. Ah bah tiens. Ah, ils en ont 6, 6, 6, 6 M. Là, ils en ont que 4. Alors peut-être autant pour moi, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression quand même que les behemoths étaient plus efficaces contre les vaisseaux S. Après c'est peut-être un délire, je sais pas. En tout cas on verra bien, peut-être qu'après j'ai commencé à me racheter des phoenix. On verra à l'avenir, je vois ici par contre. Oh Xenka, tiens, bon, heureusement qu'il a été pété celui-là. Je vois qu'il ramène quand même des gros vaisseaux. On va peut-être juste mettre une petite pause, je vais quand même essayer de sauver en fait la fabrique en construction ici. Bon là-bas ils sont en train de se faire péter la gueule un petit peu partout. Hein. Et encore cette station-là, elle était encore en bonne forme avant. Là maintenant, ça commence un petit peu à changer. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mes stations, ça, on s'en fout. C'est pas vraiment mes potes en plus, donc voilà. J'ai voulu acheter d'autres Phoenix. Le seul problème, c'est qu'ils ont un petit souci de matière. Hein, parce que là, par exemple, si je mets en haut, de toute façon. Il manque quand même composants de bouclier, composants d'armement, convertisseurs d'antimatière et pas qu'un peu. Si par exemple après j'en rajoute 3, alors là, enfin voilà, va falloir faire plusieurs allers-retours avec un HU à coup pour que je puisse en plus me lancer des pièces de coque. Donc ils ont dû en racheter entre temps parce qu'il n'y avait pas ce problème-là avant. Enfin bon, bref. Donc c'est pas pour tout de suite. Peut-être que j'irai en fabriquer, peut-être qu'ils ont besoin. D'acheter des ressources un petit peu chez moi, mais je pense qu'à partir d'un certain nombre de secteurs, ils ne viennent plus acheter parce qu'ils ne viennent pas acheter parce que c'est un petit peu trop loin, ce qui est dommage. Mais quoique, ça me permettrait peut-être d'installer quelques petites usines aussi dans le coin pour se faire un petit peu de pognon supplémentaire. Question pognon d'ailleurs, là j'étais descendu à 50 millions et quelques. Là franchement, ça remonte quand même assez bien. Bon, là j'ai pris il n'y a pas si longtemps. Mais je remonte quand même à 233 millions. Je regarde juste si j'ai pas perdu un vaisseau parce que certains d'entre eux se sont fait attaquer. Entre-temps, bon, dans ma partie off, et ce qu'on avait vu également la dernière fois, d'ailleurs, à ma dernière partie, c'est que j'ai une invitation à la promotion justement avec le ministère des Finances. Je suis passé level. Level, ministère, mine. Ici, level 20. Ça m'a dit non, c'est pas rien du tout. Je vais pouvoir m'acheter des gros vaisseaux aussi chez eux, mais je pense quand même. Que les Teladi, c'est quand même mieux. Ça reste à voir, mais il me semble que
Le ministère de l'Intérieur, c'est un dérivé des Teladi. Et Teladi, en fait, ils ont une meilleure coque. C'est un petit peu comme. Enfin, il me semble. Hein, peut-être que je dis des conneries. Mais c'est comme la République d'Antigone. Ils sont moins bons quand même que les Argons, niveau achat des vaisseaux, hein, je parle. Mais peut-être que là aussi, j'ai dit des conneries. Mais il me semble quand même. En tout cas, que la coque est quand même bien meilleure. Ils ont plus de choix d'armes chez les Argons que chez les Antigones, etc. Enfin, bon, bref. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, eh ben, évidemment, c'est de passer à l'attaque. Donc, j'avais sauvegardé juste avant, mais juste au cas où. Évidemment, on ne sait jamais. On n'est jamais trop sûr. Je vais juste quand même re-sauvegarder ici. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne avec ces vaisseaux-là. Je me suis acheté aussi quelques petits Némésis un petit peu plus loin. Je vais juste en amener un. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça tout de suite. Je vais juste me diriger par là-bas. Je vais protéger un petit peu ce vaisseau quand même. Mon Éclipse que je vais poser par là-bas. Et puis, eh ben, en fait, non. Je vais mettre. Je vais prendre un Némésis par contre. J'ai acheté des Némésis chez les Sop et les autres chez les Paranides. Les Némésis de Sop sont quand même meilleurs niveau coque également. Où est-ce qu'on peut voir ça déjà? Information. Coque 10 000, donc ça c'est son chez les Paranides. Ceux-là ils sont à 12 000. Et puis niveau bouclier c'est la même chose. Puissance d'armement par salve 2874, 2400. Ouais, enfin bon, bref, on va se prendre celui-là. Et puis ceux-là, c'est lesquels? Alors, ça, ce sont des Gorgones. Non, un Gorgone et deux Némésis, ok. À 10 000, donc chez les Paranides. On sait jamais, c'est 2 000 de plus, mais on sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Téléporter ici. Je me téléporte tout simplement là, et puis je vais demander. Ah non, alors déjà une chose. Avant qu'il fuit, je ne sais où celui-là. Voilà, attends le signal, ouais, bah, tu vas pas attendre. Tu vas juste aller là-bas, voilà. Ça, on va l'arrêter, et puis le guidage, on va le mettre directement par là-bas. Je vois que. Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Je vois qu'ici nous avons quand même une petite attaque, ça va être assez intéressant. Enfin, intéressant, non, ça va être vite réglé surtout. Némésis. Toi, Sentinelle. tu peux partir. On se dirige par là-bas, Espace on est quand vide. même à 185 km. On est assez loin. Moi, j'aurais bien voulu mettre les MATS quand même pour accélérer un petit peu. On va voir un peu comment ça se passe. De toute façon, ces vaisseaux-là, ils vont pas faire long là, avec deux titans. Avec un seul, ça devrait le faire de toute façon. En attente des ordres. On va vite s'en apercevoir. Je passe mes behemoths. D'ailleurs, ils vont où, eux? On va attaquer ces vaisseaux-là, vous avez bien raison. Alors, je vais avancer un petit peu, pas trop loin non plus. Est-ce que j'ai une vue? Ouais, ça va, j'ai encore un peu des satellites ici. Je devrais en mettre un petit peu aux alentours quand même, hein, mais bon. Ici, normalement, ils attaquent. Hein. Oui, attaquer ennemi. C'est un peu du tir à vue. Je vais m'arrêter là, ça ira très bien. On va pouvoir accélérer un En petit attente peu. des ordres. Il prendra plus de temps de toute façon qu'il y a un titan, ça c'est tout à fait normal. Le titan est quand même, c'est un vaisseau modé, donc on va dire un petit peu, pas tricher, mais bon, une petite aide quand même. Hein. Histoire de se faire plaisir. Le BMAT, bah tiens, on va voir la différence entre les deux. Ils se font bien attaquer, En c'est attente bien. des ordres. Bon, c'est pas trop comparable, là ils sont que 3, là-bas ils sont plus quand même. Bien plus nombreux. Je vais commencer les avancées déjà. Ah bah c'est trop tard, là. Cette fabrique a été détruite.
Hop, on va sélectionner. On va s'approcher un petit peu. Ça, tiens. Ouh, nous avons un destroyer 9K. Alors, par contre, puisque c'est comme ça, on va déjà commencer par faire ça. En attente des ordres. M'enfoncez pas dessus, s'il vous plaît. Je les reclasse En quand même attente pour des ordres. éviter qu'ils se rentrent dedans et que c'est le bordel après pour repartir. Par contre, les 9K, je me demande jusqu'où est-ce qu'il va aller. Est-ce qu'il reste là-bas? Je sais. Ah non, il est juste là. Ok. Alors. En attente des ordres. Il va se faire quand même appuyer par les behemoths. Par les premiers, évidemment. En attente des ordres. En attente des ordres. Parce que lui, il va quand même avoir besoin d'aide là. On se fait tirer dessus. Navigateur, sort. En attente des ouais, ordres. Résister, il y a les renforts qui arrivent. Ouh là là. Ouais, le bouclier, il fait pas long. En attente des ordres. Le titan, il va subir un petit peu quand même de dégâts, malheureusement. Ça va, on est quand même bien éloigné. On va quand même accélérer là. Et puis si je perds un titan, bah je perds un titan, c'est pas bien grave. Le titan. En attente Il a des déjà ordres. perdu quand même 2 L. Ouh, mais c'est qu'il va se faire détruire. En attente des ordres. Hop 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 hop. C'est pas juste un déplacement, c'est une attaque là les gars. Ouh là là, bon bah j'ai perdu le titan, c'est pas grave, ça m'en fera un de moins, c'est pas... En attente des ordres. Mais là par contre avec tout ce que je fais débarquer, ça devrait le faire après. Mon dieu, j'ai perdu un titan. Quelle tristesse. Ouais, tant pis. Tant pis, hein, ma foi, ce sont des choses qui arrivent. Je pourrais recharger, mais bon, non, allez, c'est... C'est la guerre, quoi, Nous avons été touchés. Ah, c'est pas grave, tu peux résister. Puis si j'en perds un, bah j'en perds un, hein, c'est tout. Non, c'est bon, il est déjà détruit. En donc, tout va attente bien. des ordres. Oh mon dieu, un titan. Mais bon. On peut le remplacer. Je vais déjà, pour la prochaine fois, parce que j'aime bien avoir quand même 3 titans. C'est que ça coûte cher quand même, hein. On est quand même à 42 millions. 142. Ouais, 143 comme ça. Je vais surtout mettre. Je vais pas mettre la défense, un peu chiant ça. Que de la réparation. Et puis si tac tac tac, on est tout bon. Composant de bouclier. Je peux laisser faire les. Les argons se font quand même vite remettre les ressources dont ils ont besoin, justement pour la construction des vaisseaux, tant mieux. Ah oui, c'est vrai qu'ici il y avait une plateforme Xenon, j'avais complètement oublié. Je fais passer mes titans par là. Enfin, mes titans, mes behemoths par là. J'ai même pas vraiment fait attention. Mais bon, ils ont rien eu, donc tant mieux. Et puis je pense que là on va pouvoir commencer un peu à se diriger par là-bas. Par contre, attention quand même. On va les mettre un peu déjà. Par contre, on va juste éviter de les faire descendre. Bon, c'est pas grave, on va quand même y aller comme ça. Hop, on enlève la pause. C'est bon, tu auras le temps de reprendre un peu ton bouclier. Et les autres, ils en sont où? Il n'y avait pas que ceux-là. Ils en sont un attente peu des plus ordres. lents, ceux-là. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir les amener comme ça. En attente des ordres. Par contre, ce que en je attente des crains ordres. Un petit peu quand même, c'est qu'ils débarquent En dans le attente sous, des ordres. Donc ils vont quand même En se faire attente des ordres. toucher, je pense. Parce En que j'aimerais attente des justement ordres. qu'ils se fassent pas En toucher, attente des c'est-à-dire ordres. par les En attente des ordres. par la dé En les attente défenses des laser ordres. là-bas. Les phénix. Ah, j'ai encore 3 behemoths là aussi. Ouh là là, je vois pas mal de monde par là-bas. Bon, En ça va, je attente pense des qu'on n'a ordres. pas grand-chose à On craindre. m'a demandé de larguer ma cargaison. Quoi? Qui? Non, alors là, juste pause.
Si je peux éviter de perdre. Voilà, toi, imbécile. Tu pars pas au combat. Tu prends la fuite. Tu veux te mesurer à quoi? Un Minotaure. Avec un Hermès. T'as des chances, toi. Mais bon, ça va, heureusement, il est poursuivi directement. Parfait. Du coup, j'en étais à où, moi? On était à là. Ils sont là, c'est tout bon. On va mettre le guidage. Là-bas, on accélère juste un petit peu. Donc là, j'ai pas grand-chose à craindre. Quoique. En Quoique. attente des ordres. On va en envoyer un deuxième quand même, hein. En attente des ordres. En attente des ordres. Bon, qu'il y ait... Ouais, ils sont quand même nombreux. On va attendre quand même que ça se passe, ça, parce que... J'aimerais juste éviter d'être dérangé. En attente des ordres. On va voir un peu comment ça se passe, hein. Et après, on va pouvoir envoyer tout le monde à l'attaque d'un coup. Avec les phénix, si possible. Par contre, ouais, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait un vaisseau qui défende un peu la zone. En attente des ordres. Voilà, les phénix, pour le moment, je vais les laisser là-bas. On verra bien après comment ça se passe. Lui, c'est bon, il résiste tous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, déjà 16 minutes et j'ai pas commencé l'attaque, hein. Ça va, on éradique un petit peu tout ce beau monde. Là-bas, ils attaquent. Ils ont détruit encore cette station. Celle-là. Et puis celle-là. Ok. Bon, c'est On en m'a demandé construction quand même. d'arrêter ma cargaison. On attend des ordres. L'autre. Non, c'est bon, j'en ai pas perdu, je crois. Si, j'ai perdu un Pégase. Ah oui, d'accord. Fortune de Nopilio 7. 6. Un Pégase. Est-ce que j'ai perdu un Pégase? À cause de la tourelle, peut-être. Bousillez-moi ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, il veut pas. Ok, on verra bien. Là, c'est tout bon. Ici, j'ai fait une petite fouille, c'est tout bon. Ici, je vois que je vois encore une chose, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On y va. Est-ce que c'est terminé ici? Non, pas encore. Ça le sera bientôt. Ouf, j'ai cru que c'était mon Behemoth qui était aussi mal. Et on accélère là, que ça se termine, s'il vous plaît, vite fait. Et puis moi, après, je vais me faire une petite sauvegarde et puis je vais tenter de m'occuper des tourelles de défense de la station un petit peu. Donc les L se trouvent en dessous en général. On attend des ordres. D'après ce que j'ai pu remarquer justement la dernière fois. On va faire simple là parce que bon, comment ça. Non, 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 non. Oh là là. Ok. Supprimer tous les ordres. Attends qu'on t'attaque et puis attaque ce que tu peux. Avant de faire n'importe quoi. Nous avons été touchés. Confirme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qui? C'était un titan, c'était pas un phénix. Et pourtant il leur Benetta le titan. Il me semble, attendez voir. Pas le titan. Non, c'est lui, c'est qui? Ah merde! Ah merde! Ouh là là! C'est un 9i en plus. Ah ouais, d'accord. Non, fuis, 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 fuis. Si tu le peux. Fuis pas là par contre, fuis ailleurs. D'accord, en fait, toi, tu vas fuir, tu vas directement aller là-bas, en fait, tu vas avoir besoin de réparation, si tu arrives à tenir en vie. Je vais faire plus simple.
Ce serait dommage quand même. Puis toi, le BMA, tu vas pouvoir t'éloigner aussi un petit peu parce que voilà. Là, ils envoient quand même l'artillerie lourde. Lui, je sais pas s'il va y survivre. Hein. Non, il va pas survivre. Bon, bah, du coup, j'ai perdu deux titans. Ok. Par contre, il m'en faudrait quand même un absolument ici. Quoique, je me demande quand même si la Behemoth ne serait pas mieux. Composant de bouclier. Ah, non, c'est tout bon. On va en ajouter un. Et puis. On va s'acheter encore un autre BMAT pour en bas. Ah, par contre, il va vraiment y avoir un problème de ressources, mais c'est pas grave. Allez! Ils ont toujours pas fini ceux-là? Il y a un moment donné, il faut peut-être que je commence, ça fait plus de 20 minutes là, les gars. Bon, en fait, je pense qu'on va y aller. Hein. On va pas trop s'emmerder. On coupe ça. On va faire. Déjà, on va faire une sauvegarde. Ah non, là, j'ai carrément 5 missiles. Oula, ça va péter là. Ça va péter. Par contre, j'ai quand même enregistré sur un autre. Parfait. Allez, on va envoyer tout ce beau monde, sauf le titan, lui il bouge pas, et à l'attaque. On va approcher un autre Némésis un peu, non on va pas l'approcher, je préfère pas. On accélère quand même un petit peu, histoire qu'ils autres débarquent. Par contre, ils viennent vraiment d'en dessous, ça c'est dangereux. Stop. Plateforme de défense Zénon. Parce que je pense quand même que là, certains vont se faire toucher. Quoique, sauf s'ils restent vraiment à distance et qu'ils tirent vraiment à distance. Et qu'ils restent à peu près sur place, comme la dernière fois. Franchement, c'était parfait. Ils étaient hors de portée des... des canons laser, enfin des défenses. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être ça. Là. Ok, alors. Attention là quand même. Ce que je vais faire, c'est que je me demande si je vais pouvoir tirer. On va voir quelque chose, hein. Je suppose qu'ils sont situés à peu près par là. Ah, alors attention. Torpille. On va les mettre en deux. Bon, de toute façon, je pourrais les mettre en un, ça aurait été pareil. Je crois qu'il n'y a pas de limite de... Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai sélectionné la station, j'aurais pas dû faire ça. En tout cas, là, ils sont bombardés. Est-ce qu'ils avancent encore, ceux-là? Non, non, ils sont à l'arrêt. Et ils sont bien en dehors des tirs laser, c'est parfait. Puis ils peuvent se défendre contre les vaisseaux S. Donc, franchement, c'est parfait. C'est qui tire ça? Qui c'est pas ce délire, là? Ah, c'était mes... D'accord. En fait, c'était, je crois, mes... Par contre, je vais juste m'abriter là-bas. Parce que je peux rien faire, j'ai que des lance-torpilles, donc ça va être difficile de les toucher. Voilà, vous faites moins les malins, les gars. On va voir... quelque chose ici. Oh là là. Ils sont combien?
qui est râpé là-bas, l'autre il s'est déjà fait détruire, on n'en a même pas. Drone de défense, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Je crois que... J'ai entendu mes missiles. Hein. En fait, je suis un peu obligé de tirer au bol. Hein. Enfin, obligé non, mais... Est-ce que je capte des missiles par là? Je sais pas si c'est ça là-bas. Merde. En attente des ordres. Est-ce que je peux tirer d'ici en fait? Je suppose, hein. Drone de défense. Je suppose qu'il vient vers moi. On va voir si je peux tirer dedans. En fait, ils sont vraiment très lents. Hein. Je suis quand même plus rapide que les missiles. Ah, il débarque vers moi. Bon, ça devrait pas trop poser problème en fait, ça je pourrais même mettre en accéléré, je pense. Le temps d'attendre que les behemoths s'occupent de tout en fait. Parce qu'il est fini que ça pour le moment ils étaient occupés, en tout cas avant. Je vais voir maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ils sont toujours occupés. Bah, écoutez, on va les laisser, hein. On va les laisser s'amuser un petit peu. Et en gros, j'aurais même pas forcément besoin de m'occuper des missiles. Non. Je crois pas que ce... Non, non, non! Si, j'ai cru que j'allais me prendre un peu de gueule. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. J'espère juste que ce ne sont pas mes vaisseaux qui soient pétés. Ah, c'était mal visé par contre. On attend des ordres. Apparemment c'est bien mes missiles, non? Mais par contre ils tirent pas où je... Ah si, bah si. Parfait, ça m'occupe bien. Bon, on utiliserait l'accélération, mais... J'aurais bien visé là-bas. Ah oui, oui, ça a pété, là, clairement. Ça a clairement pété les choses. Quand même très pratique. Pour bousiller leur défense. Ça, je vais me faire bombarder, par contre, là-bas. Il me semble qu'ils ont aussi des défenses. Hein. Les Phoenix, ça se passe comment? On m'a demandé de larguer ma cargaison en attente des ordres. Mais. Ils arrivent pas à les péter ou comment ça se passe là? Bon, c'est des pimes, mais non, ils arrivent quand même bien à les péter là. Bon, ça devrait être bon. Hein. Allez, vas-y, on va faire comme ça. Là.
ça, s'il vous plaît. En attente des ordres. Juste pour voir. C'est bon, ils ont réussi maintenant. On va quand même voir, on va les amener. On va voir aussi comment ils se comportent. Et si ça se trouve, je vais pouvoir m'attaquer directement à la deuxième plateforme. Hein. Alors également, on m'avait dit que c'était des stations quand même faciles. Ce qui me paraît quand même assez normal, puisque ce sont... Enfin, c'est une zone qui a été capturée par les Xénons, donc le temps qu'ils construisent tout ça, etc., etc., je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de fortifier un petit peu tout ce qu'il faut. Enfin, je pense que ça va être ça. Hein. Par contre, je vois qu'il y a les S qui viennent pour réparer. Allez, on va accélérer encore un petit peu le temps. Ah bah c'est parfait, ils sont parfaitement positionnés en fait. Mais... Ah tiens, allez, vas-y, on va les aider un petit peu, on va faire comme ça. Quoi? Ah, j'ai plus de missiles déjà. Ah, d'accord, d'accord. Effectivement. On a un PHP par là-bas, on va se téléporter sur celui-là. Et du coup, lui, on va lui demander le Némésis là. C'est quel vaisseau qui... supprimer tous les ordres. Et puis toi, du coup, tu vas pouvoir aller là-bas. J'espère qu'ils en ont. Voilà, tu peux te recharger. Et après, tu pourras revenir par là-bas. Ok, en attendant. Bon, ça va, cette solution, en tout cas pour la zone où je me trouve, franchement, va plutôt quand même pas mal du tout. Alors peut-être que j'ai un petit peu exagéré avec le nombre de BMAT que j'ai acheté, ainsi que les Phoenix. D'ailleurs, les Phoenix, ils en sont où ? Ils sont encore à distance, hein. Lui, il reste là, ça va très bien. Et la station là va vraiment pas faire. Ça c'est pas bon, voilà pourquoi voilà pour quelle raison est-ce que, ouais là je vais quand même garder un phoenix, supprimer tous les ordres, toi tu vas quand même rester là pour au cas où, ouais voilà, suis moi t'as bien raison toi, viens vers moi, voilà, poursuis moi ça c'est une bonne idée. Par contre, il devrait être plus rapide que moi normalement. Ouais, 2005. Bon, au moins, il me poursuit. Et il y en a d'autres encore à côté, 2P et puis un N. En fait, en gros, je sers à rien du tout avec ce vaisseau. Ils y arrivent très bien sans moi. Ah, mais je sais pas pourquoi... Ah, bah voilà, bravo. Ah! Je sais pas pour quelle raison est-ce que ces tourelles ne sont pas sélectionnées.
Bah oui, parce que c'est en ballon 5, j'en ai 50, donc forcément j'ai droit à 10 tirs, quoi. Je vais pas tirer indéfiniment comme ça non plus. Du coup, j'aurai quoi, un Phoenix 1? Mais tout sauf ceux-là, hein. Toi tu t'occupes. Ah non, tu peux pas, laisse tomber. Tu ne peux pas supprimer tous mes ordres. Allez, c'est déjà bientôt terminé, tant mieux. Explosion imminente. Allez, il en reste plus qu'un. Pas s'ils arrivent à le choper par contre. Je suppose que si, c'est à quoi, à 2% de coque. Là, ça va être terminé. En attente des ordres. C'est parfait, c'est réglé. Eh ben voilà. En attente des ordres. Bah écoutez, ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai juste perdu un titan. Il est temps, je pense, de commencer à attaquer la plateforme de défense, la deuxième là-bas. Je suppose en tout cas que ça va être assez rapide. Juste une petite sauvegarde encore une fois. 5 du 6, 25 du 5. On va sauvegarder sur celui-là. Par contre, j'aimerais bien savoir un peu comment ça va se passer aussi en territoire Xénon, par contre. Là, je suis quand même en dehors de leur territoire. Maintenant... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des drones de défense encore pour là-bas. Du coup, on va se diriger là-bas. Juste être sûr quand même, là-bas. Toi, tu vas te diriger par là. Il me semble d'ailleurs qu'ils ont construit une autre station aussi par là. Il va falloir que j'aille m'en occuper. Et puis, je crois que c'était à peu près tout. Maintenant, on sélectionne tout cela, sauf évidemment le drone, les drones de défense, sauf moi également, et puis on va aller directement, on passe à l'attaque. On s'emmerde pas, tout le monde y va, sauf lui, j'ai fait une connerie. Attaquer. Ok, on en était où avec la thune là, que je récupère un petit peu quand même. 124 millions, 178 millions, ça monte bien, franchement, je suis plutôt content. Plutôt satisfait de ce qui se passe. Et puis, moi également, va falloir que je me mette en route. Allons récupérer notre secteur, messieurs. En fait, voilà, ils font n'importe quoi quand ils sont trop rapprochés. C'est quand même un peu chaud de patate. Plateforme de défense, c'est Phoenix. Également avec deux Phoenix. Par contre, là-bas, je sais pas du tout comment ça se passe. Je ne connais pas leur défense. Bon, on aura la surprise, hein. Allez, attention quand même. On va quand même l'utiliser. Hein. Par contre, il freine mal, donc on va s'arrêter déjà là. Oula. Allons vite vers le titan. Parce que lui là. Enfin, ceux-là, je veux dire. Je ne les apprécie pas beaucoup. Non, ça va, ils ont l'air de s'éloigner. Tout à fait. Tant mieux. Je
vais donc pouvoir utiliser ce que je voulais faire. Donc, attaquer directement un petit peu déjà par en dessous. Voir de loin. Je connais pas vraiment la distance de leur tir. Je sais que je suis déjà à bonne distance. Ah, ça, je pense que ce sont les phoenix qui commencent l'attaque. Je suppose que là, c'est un petit peu orange. J'ai vraiment pas. Non, mais ils tirent pas du tout là où je souhaite en fait. Faudrait que je tire un tout petit peu plus bas du coup. Genre comme ça. Et puis là, évidemment, ils tirent exactement où je le souhaite. Bravo, merci beaucoup. En attente des ordres. En attente des ordres. Et là, ils visent trop. Ah, c'est dingue ça. Ah, mais non, mais. Je raconte n'importe quoi. Oui, là-bas, oui. Là-bas, puis ça a pété déjà. Là-bas, on voit. Où est-ce qu'il y aurait. Mais par contre, je ne vois pas du tout les. On attend des ordres. On attend des ordres. Si, là-bas, là-bas, là-bas. Je le vois. Exactement là. Je crois qu'il y a du L. Mais il tire pas du tout là où je veux, c'est dingue hein. Toujours pas. Allez, j'en ai encore 5 après. Bon. Non, ce ne sont pas les phoenix. Les phoenix sont où? Ils sont là. Il y en a un, il y en a deux. Ok. Juste, vous tirez pas dessus comme des imbéciles, hein, si jamais. Là, ça a l'air d'aller. Toi, t'as quoi? On attend des ordres. T'approcher. Par là, ouais. Peut-être plutôt au nord, je sais pas. Non, ça a l'air d'aller. Oula. Ça a l'air d'aller. Bon, je pense que je peux reprendre mon éclipse en fait. Ça sert à rien d'avoir ces vaisseaux là. Donc, En attente des ordres. Éclipse. Téléporté vers. Toi, tu vas pouvoir aller directement là-bas, améliorer, on va le rééquiper quand même. Composant de missile 1127, ok, bon bah, on va attendre, hein. Pas bien grave. Éclipse, en attente des ordres. Allez, on va s'approcher déjà. Plateforme de défense, Zeno. Allez, est-ce que je vais pouvoir me faire un nouveau secteur aujourd'hui? Ce serait parfait. On est déjà à 44 minutes. Là, je vais faire que de l'accélération de temps, mais j'aime bien être à côté quand même et voir un petit peu comment ça se passe. Et si jamais en cas d'attaque comme celui-là, par contre, ce qui serait pas mal. Il se fait attaquer par qui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas trop. Et espérons en fait qu'il n'y a que ces deux plateformes de défense. Par contre là je vois que ça c'est pas très bon. Je vais peut-être ramener un titan. Ah mais je crois que les deux autres c'est bon en fait. Ils sont pas bousillés. C'était lui, l'autre titan il était où là? Ah non, ça va, ils sont en pleine forme. C'est parfait.
Oh, ça c'est beau ça. Ça faisait un joli feu d'artifice quand même en face. Hein. Rassurez-moi, on est bien d'accord que j'en avais perdu qu'un au moins. C'est déjà trop tard apparemment. Ok. Et puis là par contre ils n'ont pas de drone de défense apparemment. Allez-y, attaquez-moi tout ça. Juste que je sache s'ils sont en train de refaire la station ou est-ce qu'ils vont recevoir leur là-bas, leur ressource là-bas tout droit. Ok. Et par la suite, par contre, il va falloir que je prenne d'autres secteurs encore après. Hein. Je vois qu'il y a des renforts par là-bas. Va falloir que je prenne ce secteur-là. Par contre, j'ai juste coupé à cause des siennes. En attente des ordres. Bien, on attend des ordres. Toi, tu peux t'échapper. Mais vous voyez un peu comme ils se rentrent dedans. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils améliorent en combat leur niveau de pilotage? Ouais, apparemment. Ah oui, clairement. Clairement. Ah, c'est très bien. Alors, pas tout le monde. Quoique, c'est vrai que c'était une, et puis maximum une étoile et demie, je crois. Donc oui, tout le monde monte de niveau, c'est parfait. Lui, par contre, ça fait un petit moment, mais bon, il monte légèrement de niveau, de pas grand-chose. Ah, par contre, ils reçoivent des ressources. Normalement ça devrait les bousiller, oui. En surchauffe, je vais pas pouvoir tout péter comme ça, mais c'est pas grave. Les autres ils s'en occupent ou pas? Ils ont arrêté de tirer. Ah, c'est bon, c'est reparti quand même. Il est où? J'ai pas l'impression qu'il tire, c'est... J'ai l'impression qu'il y en a qu'un seul qui tire. Il y en a un qui est un petit peu plus intelligent que les autres, là. On va voir.
Que se passe-t-il? Je pense qu'on va faire... On va faire comme ça plutôt. Ah ben... Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, d'accord. Ok. Ah, ça c'est chiant. Attaquer, vous voulez attendre. On va s'en faire quelques-uns quand même. Histoire de débloquer un petit peu le truc. Je sais pas ce qui bloque. Par contre, aller en bas, c'était pas forcément la meilleure des idées, mais... Quoi ? Ouais. Ok, on y va comme ça. En attente des ordres. Ça n'a pas trop l'air. En attente des ordres. En attente des ordres. En attente des ordres. En attente des ordres. C'est bon, il n'y a pas de titan à l'intérieur. En attente des ordres. Je vais juste m'occuper de celui-là. En attente des ordres. Pas l'air de se faire attaquer, tant mieux. Alors, l'autre qui arrive. On va même l'empêcher d'amener du matériel. Stop. Là par contre, ça c'est pas bon du tout. Ouais, ok, bon, alors... Toi... Annuler... Ordre... S'éloigner... Là, ils y vont pas comme d'habitude. En attente des ordres. Ils se font toucher directement, surtout celui-là aussi. Avant-garde. Semble. En attente des ordres. Je vais prendre le risque. Je vais voir déjà où ils sont. Où sont les défenses? En attente des ordres. Là. Ouais, là-bas encore. En attente des ordres. Ah là, par contre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On attend déjà. Là,
Là par contre, ouais, c'est sûr que les... comment dire... Les lance-missiles là auraient été très utiles. Mais je sais pas pour quelle raison, ce qui est tout d'un coup, mais... On attend des ordres. Les vaisseaux ne restent pas à distance. Peut-être parce qu'ils se font tirer dessus, justement. Toi, par contre, supprimé. Tu peux t'éloigner. Il y aura lequel encore? Je crois que c'est tout pour le moment. Toi, c'est bon, tu peux relancer l'attaque. Non. Attaquer. En attente des ordres. Peut-être qu'il va résister quand même celui-là, ça serait quand même pas trop mal, mais ouais. C'est que là, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ouais, mais continue, toi, je vais même pas te... Non, c'est le même problème. Aïe, j'arriverai à rien comme ça. J'arriverai à rien. Bon, au pire, j'en perds un, hein, c'est pas bien grave. Bah écoutez, voilà, on va continuer comme ça. Hein. Le seul souci, c'est que j'arriverai pas à le bousiller, quoi. Ou je pourrais, mais ça va prendre quand même beaucoup de temps. Pas plus, c'est que ça tire loin, c'est que ça va plus. Oula. Qu'est-ce que je vois au loin? Je vois un 9K, ça c'est pas bon du tout. Toi, tu vas te mettre là. On va devoir attaquer ça. Et puis je préfère envoyer quand même cette fois-ci 3 behemoths. Ah, mais c'est parce que j'ai mis volet vert, mais voilà, mais quel crétin! Mais quel crétin, j'y crois pas. Voilà pourquoi ils y vont comme des couillons. Tout, ça, tout est de ma faute en fait. Ok, on va vite rectifier ça. Ah, lui, il est complètement à l'intérieur. Ça. Ok. Je sélectionne tout ce beau monde. Je les envoie là-bas. Et lui, il attaque, c'est bon. Oui, ça va pour le moment. Par contre, 9K, ça risque de craindre un petit peu quand même. Si vous pouvez juste vous dépêcher un petit peu par contre. Lui il est là. En attente des ordres. Des vaisseaux, ça risque de craindre un petit peu. Ça on verra parce que là il ramène tout le monde pour construire la station. En attente des ordres. Allez hop, ça va le faire. Lui il fuit. Tiens, tu peux retourner là-bas pour le moment. Là, on va quand même juste sauvegarder vite fait. Ça fait une heure. On est déjà à une heure de jeu. C'est incroyable. Ça avance trop vite. Vite, 5 du 6 ici.
J'aimerais juste quand même terminer ça. Ça me paraît quand même mieux. Et après on pourra passer à autre chose. Du coup non, moi ça sert à rien. Par contre... Oh mon dieu. Je me fais attaquer, ouais. Pause. Non. Pas pause. Et on va faire face. Cette saloperie. Terminé de se déplacer, c'était lui. Ce qu'on va faire, c'est directement sélectionner tout ça et on va leur dire d'attaquer ici. Celui-là. Direct. Il y a un autre qui était sélectionné. C'était pas voulu. Mais il continue l'attaque. Et moi, je m'occupe des SOS. Des copains. Ils me suivent, ils ont bien raison. Allez-y, bousillez-moi ça là. 9 qui a, de toute façon là, il devrait pas y avoir de problème maintenant. On attend des ordres. Et maintenant, il reste à distance. Ok, c'est parfait. Titan. C'est le Titan qui se fait attaquer. Il perd quand même beaucoup hein, de boucliers. K. Le K, il perd rien du tout pour le moment. On se fait tirer dessus. Bah, écoute, le Titan, il va falloir que tu résistes, mon gars. Ça craint vraiment parce que pour quelle raison est-ce qu'il se fait pas toucher celui-là? Pourquoi? Mais c'est quoi ce délire hein? Il perd rien du tout. Merde. Il a sa coque et son bouclier. Ah, bouclier à 80. Ah, ça commence à descendre. Et pourquoi que maintenant? Car. Non, mais sans déconner. Et puis mon Titan, il va péter, quoi. Ah, j'aurais perdu deux Titans. Par contre, je vais pas me rester à côté parce que là, je vais péter aussi. Non, mais c'est incroyable. Et pour quelle raison est-ce que ça descend aussi lentement? Il va péter tout le monde là. J'ai quand même l'impression que je vais devoir reprendre la sauvegarde. Hein, parce que là, ça ne se passe pas du tout comme je l'espérais. Mais c'est pas aussi résistant que ça, c'est pas possible. Soit ils visent comme des cons, ou il y a un problème. Hein. Incroyable.
canon sur vous. Je vais même bouser son moteur gauche là. Moi ça, s'il vous plaît. On attend des ordres. La station, on en est où? Il reste plus grand chose. Et c'est incroyable, il me reste plus qu'un seul titan. Mais comment ça se fait? Alors ça, c'est la première fois que je vois vraiment. Ça a quand même pris un certain temps pour que le bouclier commence à descendre. Je suppose qu'il y a eu un bug. Mais non, il y en a un deuxième en plus. Bon, alors là, il y a un problème, les gars. Là, on a un petit souci, les gars. J'ai besoin de renfort. Parce que s'il me fait le même coup qu'avant... la vidéo va durer un petit peu plus de temps aujourd'hui. Par contre, non. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. T'as l'air de t'échapper, toi. Ouais, c'est lui qui se fait. Je sais pas si tu vas réussir à t'échapper, mais essaye au moins. Je vais t'aider un peu comme je peux, quoi, mais. Oula, 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 oula. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, beaucoup trop vite. Ça me stresse. Par contre là, ces lasers là, j'arrive à les péter sans trop de problèmes. C'est ce qui pose le plus de problèmes en tant qu'il y a mes vaisseaux. C'est bon. J'ai perdu un BMA. Bon, j'ai perdu mon vaisseau également. Non, je pense que là, j'ai juste rechangé. Par contre, j'aimerais juste voir. Lui, c'est le même problème. Il est également très résistant. Alors, les I, je vais bien comprendre, mais là, quand même. En attente des ordres. Ils en sont où, les autres? Juste pour voir, j'ai juste avancé comme ça. Et puis, bah écoutez, je pense que je vous reprendrai la prochaine fois pour la suite, parce que là, on a une contre-attaque quand même assez sévère. Là, ils viennent juste de terminer la station, tant mieux. Mauvais choix, pilote. Mais c'est juste incroyable, quand même. Behemoth. En fait, il faut juste que je m'occupe des tourelles. Ah bah tiens, là, ça a pété d'un coup. En attente des ordres. Et c'est le deuxième, en plus. Le premier, c'est bon, il fait péter maintenant. En attente des ordres. Alors, je pourrais, je pense, me permettre de continuer tel quel. Pour quelle raison est-ce que ça ne m'appartient pas maintenant? Est-ce que je dois me construire une autre station? Parce que maintenant, ça appartient à personne, c'est quand même bizarre. Bah écoutez, je pense que je vais reprendre la prochaine fois à partir de là. J'accepte. Puisque ça a été détruit maintenant, je sais pas combien de vaisseaux j'ai perdu d'ailleurs, je vais juste aller voir ça quand même vite fait. J'ai perdu Eclipse, oui, Behemoth, donc ça fait 2 Behemoth, 2 Titans, 9 minutes, 7 minutes, quoi? Ah, parce que j'ai perdu l'autre Titan encore? Et comment ça j'ai perdu 2 Titans? Ça c'est un Xenka. Ça, c'est un Xenka. Il y a mon Titan qui devrait être par là, que je ne vois pas vraiment. Il est là.
de titan. Il m'en restait deux, il en reste un ici. Ah mais non, je n'avais qu'un là-bas, à moins que... Mais c'est pas possible. Là. Est-ce que j'ai toujours deux titans en construction là? Non, j'en ai un. Ah, Gun Prime, donc lui, il est bien là, ok. Je vais juste avancer. Et puis, il m'en fallait encore un autre. Il me reste des composants de tourelles, la 1039. D'accord. Des phoenix, est-ce que je vais pouvoir aller en acheter maintenant? Par curiosité, on ne sait pas trop. Ah non, il manque toujours un peu moins quand même qu'avant, mais il manque toujours. Ok, bah écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là sur mon... ma combinaison, hein. Je suis quand même content d'avoir pu éliminer un petit peu ces deux stations-là. Sauf que maintenant, je ne sais pas s'il y en a encore une qui est cachée quelque part. Bah non, même pas, parce que sinon... Ah mais si, c'est quand même possible. Alors sinon, va falloir que je me construise une deuxième station pour être plus sûr. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais la construire, je pense, à peu près au centre. Il va falloir que je proteste tout ça entre le portail là, plus ce centre ici. Que les vaisseaux puissent... Par contre, il va falloir que j'amène un peu tout ce beau monde ici, d'ailleurs. Peut-être pas tout le monde. Tout cela, en tout cas. Qu'on puisse protéger un petit peu le secteur. Ça, c'est quoi, ça? Un Pégase? Non, pas le Pégase. Supprimer cet ordre. Par contre, le Pégase, il est sorti... Ah! Bah, le Pégase, il va pas faire long, hein. Dégage vite de là. On va atterrir là-bas, je sais pas. Non, tu peux pas. Si, tu peux. Mais reste pas là, parce que là, ça va mal se passer pour toi. Ok, bon, faut vraiment que j'arrête là. J'ai de la peine à arrêter, vraiment. Voilà, comme ça, ça fait un petit peu un barrage, c'est tant mieux. Et c'est qui, ça? Terre, ils sont vraiment partout, ceux-là. Ok, allez, j'arrête ici. Je vais pas faire un sauvegarde tout de suite, parce que je pense que de toute façon, je vais me téléporter un vaisseau. Bah, le Pégase aussi, pourquoi pas. Ça me paraît pas trop mal. Il va falloir, par contre, que je les répare, celui-là. Et puis, on verra un petit peu comment ça va se passer par la suite, mais je pense quand même que je vais un peu explorer un peu tout le tour, parce qu'il doit manquer une station de défense Xénon, il me semble. Et puis, bah dis donc, c'est qu'il se fait attaquer quand même. Et puis, on verra bien un peu comment ça va se passer par la suite. Là, je vais juste faire ça. Et puis voilà. Donc en tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !